Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vous allez voir comment déterminer la texture du sol. Alors, la texture du sol, donc, il est nécessaire de passer avant, c'est la préparation du sol. Alors, après la préparation du sol, vous avez ce qu'on appelle les quantités de sable, limon et l'argile de chaque sol. Alors, par exemple, là, vous avez ce qu'on appelle, donc là, vous avez ce qu'on appelle l'échantillon du sable, l'échantillon du limon et de l'argile. La même chose aussi pour le sol numéro 2, vous avez la quantité d'échantillon du sable, du limon et d'argile. Et vous avez ce qu'on appelle le diagramme triangulaire de la texture. Alors, le diagramme triangulaire, il est composé de trois titres, tête d'argile, tête de limon et tête, bien sûr, du sable. Alors, vous avez pour chaque axe, vous avez le pourcentage ou bien la teneur de chaque élément. Par exemple, là, vous avez 100% de quoi? 100% d'argile. Là, vous avez 100% de limon. Et là, vous avez 100% du sable. Alors, la flèche est toujours la tête de flèche. Et indique quoi? Indique le 100% de l'élément. L'élément, par exemple, qui se trouve ici dans la tête du triangle. Alors là, la question, c'est quoi? La question, c'est de déterminer quoi? Déterminer la texture de sol IS1 et la texture du sol IS2. D'accord? Avant de passer de la présentation du trois échantillons de le triangle, il faut tout d'abord exprimer les valeurs en grammes, en pourcentage. Alors la somme ici, la somme du sol, la somme par exemple du sol 1, c'est 60 plus quoi? Plus 30 plus 30. Alors la somme d'échantillons là est 120 grammes. Alors 120 grammes, c'est la somme du sol. Alors la somme des trois éléments. Alors tout simplement, il faut faire ce qu'on appelle règle 3. Alors 120, c'est 100%. Alors là, c'est... Donc pour déterminer par exemple 60 grammes exprimés en pourcentage, on le met là, 60 grammes, et on met X. Alors pour déterminer l'expression en pourcentage de 100 grammes, il faut faire 160 fois 100 divisé par 120. Alors 60 fois 100 divisé sur 120. Alors on dit 60 fois 100 sur 120. Alors qui est égal à quoi? Alors, qui est égal à 50%. Alors, 50%, c'est la valeur de quoi? La valeur de 60 grammes sur l'échantillon de sol S1. Alors, la même chose pour les valeurs de 30. Les valeurs de 30 toujours, de 30, de 30 et de 60. Alors là, l'étape suivante, c'est de les... Représenter quoi? Représenter 50% sur le diagramme. Donc, après l'application de règle 3, donc voilà ce qu'on appelle la transformation des valeurs en grammes et donc la valeur en pourcentage. Alors là, pour représenter les valeurs sur le triangle des textures, et le 8 toujours, c'est de déterminer quoi? Déterminer la texture du sol. Alors on va travailler sur l'échantillon du sol, de sol 1. Donc le sol 1, la valeur du sable, donc 50%. Donc là, vous avez ce qu'on appelle
l'axe du sable. Alors là, 50%. La question, c'est quoi? La question, c'est quoi la ligne qu'on va suivre? Donc là, 50%, toujours, on met la ligne en parallèle avec quoi? En parallèle avec le limon, d'accord? Avec le flèche qui est précédent, le limon. Toujours là, vous avez ce qu'on appelle 25% du limon. Alors là, l'axe du limon, 25% là, on met la ligne toujours en parallèle avec la flèche qui est précédente. Là, la flèche qui est précédente, c'est l'argile. 25% d'argile, donc là, vous avez l'axe de l'argile, 25% là, on met toujours la ligne en parallèle avec quoi? En parallèle avec le sable. Alors la texture de sol A, c'est la texture limon argileux sableux. Donc on dit limon argileux sableux, c'est la texture de sol 1. La même chose pour le sol numéro 2. Donc on dit la même chose pour la représentation de sol 2. Alors la texture de sol 2, c'est la texture argile parce que le point se trouve dans l'espace d'argile. Alors pour le sol 2, donc la texture est argileux ou bien et argile. Alors toujours les valeurs de sol et du sol, donc elle est représentée en gras. Alors automatiquement l'étape suivante c'est de les transformer. Alors c'est de les transformer en quoi? De les transformer en pourcentage. Après la transformation des valeurs en pourcentage. Donc là, vous avez le triangle des textures. Alors le triangle des textures, il représente les pourcentages de chaque composant essentiel du sol. Après, vous avez ce qu'on appelle la règle de les lignes parallèles entre les éléments, l'argile, l'aimant et sable. Donc il est facile de déterminer quoi? De déterminer la texture du sol.